Dime que son los secretos de tu Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Michel Mestre. Aujourd'hui, je reçois Abdennour Bidar, pour parler d'Iqbal et du soufisme indo-pakistanais. Abdennour Bidar, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe normalien, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, spécialiste des évolutions de l'islam contemporain et de la question de la sortie de la religion. Vous faites partie de la commission laïcité du Haut Conseil à l'intégration et vous avez publié plusieurs ouvrages, L'islam face à la mort de Dieu, Actualité de Mohamed Iqbal, le dernier, publié chez François Bourin en 2010. Et c'est à propos d'Iqbal justement que nous vous recevons pour que vous nous parliez de ce personnage qui est assez méconnu et qui pourtant est un personnage extrêmement intéressant et original auquel vous avez donc consacré tout un certain nombre d'études. Et avant peut-être de rentrer dans le cœur de la pensée de Mohamed Iqbal, ce serait intéressant de nous rappeler un petit peu qui est le personnage, parce qu'il a joué un rôle même assez important dans l'histoire, étant considéré comme le père spirituel du Pakistan. Rappelez-nous un petit peu quand il a vécu, quelles sont les grandes lignes de sa vie et pour quelles raisons est-ce qu'il a autant milité pour la partition de l'Inde? Effectivement, aujourd'hui au Pakistan, il est reconnu, considéré comme le père spirituel de la nation. On dit souvent, et je crois que d'ailleurs même la comparaison est un peu faible, qu'il est le Victor Hugo du Pakistan. Tout ça parce que sa poésie est extrêmement populaire. C'est une poésie mystique qui s'établit principalement sur le thème de l'amour, hein, de l'amour mystique, c'est-à-dire de l'amour entre Dieu et sa ou ses créatures. J'ai choisi de travailler sur Mohamed Iqbal parce que bon, je le connais depuis longtemps. Enfin, c'est-à-dire que c'est pour moi une référence, hein, dans mon travail depuis plusieurs années. Et je me suis rendu compte qu'il était totalement méconnu ici. Hein. D'ailleurs, le nom même de Mohamed Iqbal ne dit pas grand-chose à pas grand monde. Hein. Et j'ai trouvé qu'il y avait là une forme d'injustice ou de lacune, en tout cas, dans notre culture de l'islam. Dans la mesure où c'est un penseur qui a eu un apport tout à fait considérable à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, au moment de penser la rencontre, ou pour penser la rencontre entre l'islam et la modernité venue de l'Occident. Alors Mohamed Iqbal est un jeune homme qui naît et qui grandit à Lahore, qui est actuellement au Pakistan. Simplement, je rappelle qu'au moment où Mohamed Iqbal vivait, c'est-à-dire de 1873 à 1938, le Pakistan n'avait pas été créé. On était alors les Indes britanniques. Donc il va commencer ses études, donc c'est un jeune musulman, Punjabi, d'origine bengali, il commence ses études à Lahore et il est remarqué par un professeur anglais qui, devant ses dispositions, notamment dans le domaine de la philosophie, l'expédie, ou plus exactement l'envoie à Cambridge faire ses études supérieures. Et il va passer 4 années à Cambridge, 4 années au cours desquelles il en profite pour visiter un certain nombre de capitales européennes, parmi lesquelles Munich et Paris. On dit qu'à Paris, il a rencontré Bergson. Alors, même si on est déjà au début du XXe siècle, il y a là peut-être quelque chose d'un petit peu légendaire. En tout cas, la pensée de Bergson l'a beaucoup influencé. Qu'est-ce qu'il fait à Cambridge? Il passe une sorte de doctorat en philosophie et en droit. D'ailleurs, ensuite, quand il reviendra à Lahore, il exercera, même si c'est très épisodiquement,
une fonction d'avocat, enfin, le métier d'avocat. Et surtout, ce qui est absolument décisif, c'est que pendant ces années anglaises, hein, et pendant ces années européennes, il découvre les grands philosophes occidentaux de la modernité, qu'il lit tous avec énormément d'appétit, énormément de curiosité. Ce sont des pensées, alors c'est la pensée de Nietzsche, la pensée de Bergson dont on vient de parler, la pensée de Kant, de Hegel, ce sont des pensées avec lesquelles il va dialoguer tout au long de sa vie, dans des écrits qui sont donc à la fois poétiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, et philosophiques, et c'est sur la partie philosophique de son œuvre que je me suis penché et que j'ai travaillé. C'est une partie de son œuvre qui est rédigée totalement en anglais, puisque c'est la langue dans laquelle il a étudié et donc la langue dans laquelle il dispose des concepts nécessaires pour dialoguer avec ses philosophes. Alors on va revenir sur toute cette question du dialogue entre l'islam et la modernité occidentale à travers sa pensée. Avant d'y venir, continuez de nous expliquer un petit peu le rôle qu'il a joué dans le désir d'indépendance déjà de l'Inde et de la partition entre l'Inde et le Pakistan. Je crois qu'il fait un constat. Ce constat, c'est celui d'une paupérisation de la culture musulmane qui est en but à deux dominations qui sont ressenties l'une et l'autre comme deux dominations coloniales. La domination britannique, bien entendu, coloniale donc au sens propre ou au sens habituel, et la domination de l'ère de civilisation hindoue à l'intérieur de laquelle, selon lui, l'islam n'arrive pas à s'exprimer. Il est effectivement dans la position qui a été une position classique au XXe siècle, dans la position de tous ces hommes qui luttent pour une indépendance qu'ils jugent nécessaire afin que non seulement les droits, mais la transmission de la culture à laquelle ils appartiennent se fasse dans de meilleures conditions que dans cette condition de dominer culturellement, où la culture en question, ici l'islam, se perd, se dilue et n'a pas les moyens objectifs à travers un système d'éducation, etc., un système d'enseignement, à travers un État, n'a pas les moyens de se diffuser correctement. Donc je pense que son constat est avant tout le constat donc, de cette domination et comme conséquence d'un appauvrissement de la culture islamique, de la culture des grands textes. Et d'une certaine, à partir de là, vous voyez le lien avec des problèmes qui restent contemporains, ce qu'il déplore comme étant une rigidification de la culture islamique, qu'il fait remonter très très loin. Alors Iqbal a un formidable sens historique. Il dit depuis 1258, l'islam ne cesse de dégénérer. L'islam est passé depuis lors par des siècles et des siècles d'immobilisme. Qu'est-ce que c'est 1258? C'est simplement la mise à... C'est une date historique très importante dans l'histoire de l'islam, la mise à sac de Bagdad par les Mongols. Et à ce moment-là, la perte par les musulmans d'une grande sphère d'autonomie politique qui permettait à tout un système de civilisation non seulement de se perpétuer mais de se régénérer. Et pour Iqbal, à partir de là, et donc de façon encore plus aggravée à l'époque où il écrit, mais dès le XIIIe siècle, eh bien, la culture se serait rigidifiée au point, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, il dit la lecture du Coran, c'est totalement sclérosé, et il répète dans ses conférences, par exemple, à ce sujet, que le Coran n'est pas un code légal. C'est-à-dire que pour lui, justement, à partir du XIIIe siècle, le Coran a été considéré de façon unilatérale et répétitive comme simplement un système de loi qu'il suffirait d'appliquer au détriment de toute l'intelligence, de la lecture et de l'interprétation du texte. Iqbal fait partie de ces réformistes ou de ces modernistes de l'islam qui, au XIXe siècle et au XXe siècle, ont non seulement milité mais pensé en faveur de ce qu'ils appelaient une ijtihad, c'est-à-dire une relecture interprétative du Coran en particulier et de la tradition en général. Et donc pour lui, les conditions politiques n'étaient pas remplies pour que cette vivification culturelle s'opère correctement. Et c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, parce que finalement le Pakistan aujourd'hui, c'est pas le lieu de la modernité musulmane, c'est plutôt le nid des intégristes. Terrible ironie de l'histoire, d'autant plus terrible que, comme vous l'avez rappelé au départ, Mohamed Iqbal est considéré comme le père spirituel du Pakistan. Il y a de toute évidence au moins un certain niveau malentendu dans la mesure où si on lit son œuvre, en effet, cette œuvre est à mon sens totalement incompatible avec la vision de l'islam qui peut prévaloir, qui prévaut souvent dans cette région du monde, c'est-à-dire une vision de l'islam très rigoriste, littéraliste, rigoriste, sans aller jusqu'à dire qu'elle est intégriste et encore moins évidemment terroriste, mais la plupart du temps c'est une
lecture extrêmement pauvre, qui se contente de la littéralité du texte et qui a oublié que le Coran a été, pendant des siècles et des siècles, interprété par de très très grands penseurs qui ne sont plus du tout mentionnés comme tels. Je pense par exemple au grand penseur Rumi, dont Iqbal s'inspire souvent, qui est un des grands noms de la tradition soufie, c'est-à-dire de la tradition d'interprétation mystique. Alors il y a un autre grand nom de la tradition soufie, c'est Al-Hajj, Leïli Anvar, bonjour. Oui, bonjour. Et donc Iqbal, qui s'inscrit dans cette tradition aussi mystique, a commenté tout un certain nombre de grands représentants du soufisme, dont Al-Hajj. Oui, absolument. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous montrez très bien dans cet ouvrage que vous consacrez à Iqbal, c'est qu'il vivifie cette tradition en l'apprenant complètement, en l'assumant complètement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une dichotomie. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont pour l'islam, et puis ce sont des gens dont la pensée est rigidifiée, et puis il y a ceux qui vont nécessairement, pour pouvoir vivre la modernité et même la spiritualité, être obligés de se détacher de l'islam. Ce n'est pas ce qu'il fait. Donc il reprend, il assume complètement et la tradition musulmane coranique, je dirais, et la tradition soufie. En effet, pas soufie dans un sens d'ailleurs très large, la tradition, je dirais, spirituelle. De laquelle il n'exclut pas d'ailleurs la tradition proprement indienne. Et en effet, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne la renie absolument pas, qu'il y retourne de manière tout à fait précise et claire. Et en même temps, il la critique, parfois très sévèrement, et aussi et surtout, il la relie à sa façon. Et alors vous avez cité, Frédéric, en effet, le personnage de Al-Hajj, qui est si important dans, je dirais, toute la tradition soufie, et plus particulièrement chez Iqbal, parce que il a quand même une lecture, même pour les soufis, un petit peu hétérodoxe, je dirais. Puisque nous savons que la figure de Al-Hajj est celui qui a dit « je suis le vrai », c'est-à-dire qu'en fait, il s'est anéanti lui-même pour ne plus voir en lui-même que Dieu. Il a été d'ailleurs tué pour cela, au Xe siècle. Mais, bon, d'habitude, on le prend comme le symbole de celui qui s'est anéanti pour ensuite s'absorber en Dieu. Iqbal, et vous le montrez bien, c'est assez difficile parfois de suivre tout, mais enfin, Iqbal prend cette tradition à rebours et il dit pas du tout. En fait, Al-Hajj, c'est la figure de celui qui va assumer la venue du divin dans le fini de l'humain. Et non pas celui qui va renoncer à sa finitude pour entrer dans l'infini. Donc, il renverse complètement la machine et il s'en explique, hein, à la fois dans son œuvre poétique et dans son œuvre philosophique, et puis vous l'expliquez aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle, peut-être, on pourrait avoir j'ai pensé à un petit texte, un petit extrait de Al-Hajj lui-même. Et comme ça, on pourra peut-être discuter avec vous de la façon dont Iqbal reprend cette figure. Me voici, ô mon secret et ma confidence. Me voici, ô mon but et mon sens. Je t'appelle. Non, c'est toi qui m'appelles. Comment t'aurais-je invoqué ? C'est toi. Si tu ne m'avais susurré, c'est moi. Ô essence de l'essence de mon existence, ô terme de mon dessein, ô toi, mon élocution et mes énonciations et mes balbutiements, ô tout de mon tout, ô mon ouïe et ma vue, ô ma totalité, ma composition et mes parts. Ô tout de mon tout, mais le tout d'un tout est une énigme. Et c'est le tout de mon tout que j'obscurcis en voulant l'exprimer. Ô toi en qui s'était suspendu mon esprit déjà mourant d'extase, te voici donc son gage dans ma détresse. Abdine Obidar. La première chose qui me frappe dans ce passage, pour le dire de façon un petit peu rapide, est-ce que vous remarquez que Al-Hajj tutoie Dieu. C'est ça qui est absolument frappant. Combien de musulmans tutoient Dieu et entrent dans un dialogue comme ça, aussi direct, avec le Créateur. Quand j'entends ces pages ce type de dialogue intime entre Al-Hajj et Dieu, je pense à saint Augustin, je pense à l'Augustin des Confessions, hein, qui fait la même chose.
Sauf que là, on a affaire à, je dirais, l'inverse de ce que dit Augustin et de l'expérience que fait Augustin, très rapidement. Vous vous souvenez que dans les Confessions, Augustin dit à propos de Dieu, il est intimior intimo meo, hein, c'est-à-dire il est plus intime que l'intime de moi-même. Et donc l'expérience que fait Augustin, c'est de trouver Dieu au cœur de l'homme. Eh bien Allah, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire il va trouver l'homme au cœur de Dieu. Et c'est ça le résultat de ce dialogue spirituel entre les deux. Il trouve l'homme au cœur de Dieu, il se trouve lui-même au cœur de Dieu. Il cherche Dieu. Et au moment où il l'a trouvé, il se trouve lui-même, c'est-à-dire il trouve le maximum de ce que peut être une individualité humaine. Donc ce dont nous parle Hallaj et ce dont nous parlera Iqbal justement dans le processus que vous avez évoqué, c'est-à-dire le processus de reprise de cette très grande tradition soufie de pensée de Dieu, hein, et de rapprochement de Dieu et de connaissance intime de Dieu, c'est l'idée que finalement, l'être humain que nous sommes, l'individu que nous sommes, n'est pas parvenu au terme de son processus d'individuation, n'est pas parvenu au terme de son processus d'humanisation. Bon, là, je me mets à parler comme Teilhard de Chardin. N'est pas parvenu. Et comme Jung, absolument. Bon, on va peut-être arrêter les références. Et donc, il n'est pas parvenu au terme de son processus d'individuation et d'humanisation aussi longtemps qu'il n'a pas reconnu dans le miroir de Dieu le visage de son propre être. Bon. Et ça, c'est quelque chose, une intuition centrale qu'on va trouver chez Iqbal. Cette idée qu'il y a au cœur de nous-mêmes la réalité créatrice. La réalité de la puissance créatrice à laquelle on donne habituellement le nom de Dieu. Hein ? Il y a là comme un secret de Dieu qui est percé par Iqbal, à la fois de façon intellectuelle et, dans la grande tradition soufie, de façon vécue. Hein ? Iqbal a fait une certaine expérience de lui-même. Et il témoigne d'une expérience de soi, en disant à l'être humain, c'est possible, tu peux faire aussi une autre expérience de toi-même, dans laquelle ce que tu considères habituellement comme ta condition finie, ta condition de créature, ta condition pleine de limites sur le plan de l'espace, du temps et du corps, eh bien, peut s'effacer devant quelque chose d'autre, qui est d'une autre nature, qui est d'une autre puissance, et qui est à son acmé, à son sommet, véritablement cette puissance créatrice qu'on appelle Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il se réfère à Hallaj, hein, ce fameux soufi supplicié au Xe siècle de notre ère, au IVe siècle de l'Égyre, parce que Hallaj a été supplicié par l'orthodoxie, on dit même condamné par ses propres maîtres soufis, parce qu'il avait osé s'écrier, justement au fait de cette expérience de soi, « Mais je suis Dieu, je suis en arabe al-haq », c'est-à-dire la réalité, le concept signifie aussi bien vérité que réalité. Et Iqbal, lui, alors, non seulement reprend cette phrase de Hallaj, mais alors, et là c'est son génie propre, il va la transformer pour lui faire dire autre chose, et moi j'aime tellement Iqbal que je veux dire encore quelque chose de plus, hein, il fait dire à Iqbal, je suis la réalité créatrice. C'est-à-dire celui que nous appelons depuis des millénaires, nous les êtres humains, le créateur, eh bien, j'en fais l'expérience en moi-même comme la partie, comme ce que je peux être, moi, l'homme, de plus, de plus beau, de plus noble, de plus actif, et je me rends compte que il y a en moi la source de l'être entier.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie d'Abdennour Bidar. À l'occasion de son livre « L'Islam face à la mort de Dieu », actualité de Mohamed Iqbal. Alors vous nous disiez, Abdennour Bidar, que Iqbal était un mystique. Donc ce n'est pas simplement, comme on l'expliquait au début de cette émission, à la fois le père spirituel du Pakistan, donc un homme qui a une dimension politique. C'est pas uniquement un philosophe qui connaît bien la pensée occidentale. Et vous nous expliquez, on en parlera tout à l'heure, qu'il a cherché un petit peu à justement confronter l'islam à cette pensée moderne. C'est aussi, on vient de le voir, finalement, un vrai mystique lui aussi. Il a vécu une expérience personnelle du divin. Oui, et ce faisant, ça je pense qu'il est nécessaire aussi de le signaler, il s'inscrit dans une grande tradition du soufisme indien, hein, c'est-à-dire du soufisme de cette partie du monde. Quelle est la particularité de ce soufisme? Alors c'est un très vaste sujet. On peut citer deux grandes figures du soufisme indien quelques temps avant Iqbal. On a d'abord quelqu'un qui s'appelle Ahmad Sirindi. Tout ça se passe, si vous voulez, Iqbal compris, ça se passe dans la région du Punjab, dans la région historique du Punjab. Hein. Donc on peut mentionner notamment Ahmad Sirindi, hein, au début du XVIIe siècle. Ahmad Sirindi qui va discuter de façon critique ce qui est la doctrine, je dirais, la plus fameuse ou la plus célèbre du soufisme, c'est-à-dire la doctrine d'Ibn Arabi. Hein, je le rappelle brièvement, Ibn Arabi a élaboré une doctrine qu'on appelle la doctrine du Wahdat al-Wujud, c'est-à-dire de l'unicité de l'existence. On parle aussi de monisme existentiel, c'est-à-dire l'idée que tout est Dieu. Tout est Dieu. Dans l'expérience mystique, tout se révèle comme étant théophanie, de l'ordre de la théophanie. Bon. Ahmad Sirindi, et ça, en cela, ça sera déjà une caractéristique à partir de lui, de ce soufisme indien, va se distinguer de cette école qu'on appelle l'école akbarienne, disant que tout n'est pas Dieu, mais tout est de Dieu. Hein. Alors la nuance est importante, tout est de Dieu, c'est-à-dire tout vient de lui, mais l'existence et la totalité des existants, la totalité des créatures, ne sauraient être confondues avec l'essence divine ou l'être même de Dieu qui reste, selon lui, supérieur à sa manifestation. Donc là, on a des discussions qui sont à la fois des discussions, je dirais, très métaphysiques, hein, mais qui renvoient aussi à des catégories, comme c'est toujours le cas dans le soufisme, des catégories de l'expérience intérieure. Hein. Et donc qui renvoient en réalité probablement à la richesse de la réalité profonde de l'être. Hein, bon. Et entre Sirindi et Mohamed Iqbal, on a une autre très grande figure qui justement, elle va tenter de faire la synthèse entre Ibn Arabi et Sirindi, c'est Shah Waliullah, qui lui, si ma mémoire est bonne, écrit au XVIIIe siècle. Hein. Voilà, donc Iqbal s'inscrit dans une longue tradition, mais à laquelle il va donner une dimension, une nouveauté tout à fait particulière. Ce n'est pas un soufi de plus, hein. c'est un soufi dont l'œuvre est à la fois profondément singulière, et en même temps dont l'œuvre est profondément traversée par le besoin de dialoguer, on va l'évoquer, de dialoguer avec l'Occident. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans ce fameux soufisme indien, mm-hmm. parce que là vous avez parlé de deux grandes figures, de la philosophie soufie plutôt, il y a quand même aussi une profonde imprégnation de l'hindouisme, qui moi m'a beaucoup frappée en vous lisant, oui. c'est-à-dire cette idée que finalement... Dieu habite toute oui. la nature, tous les êtres, etc. On a quand même le sentiment que Iqbal est pétri aussi d'hindouisme et que ça l'a profondément influencé, pas que lui d'ailleurs, mais aussi mm-hmm. même les poètes réputés soufis, les Mirdad, les Bidel, tous ces poètes du nord de l'Inde, qui d'ailleurs très souvent étaient des poètes de langue persane, depuis les empereurs moghols, et qui ont donc amené en Inde, bien sûr, le soufisme iranien, mm-hmm. mais qui se sont aussi, en retour, imprégnés de cette ambiance culturelle de l'hindouisme, oui. Qui est quand même très clairement
présente chez Iqbal. Chez Iqbal, c'est à la fois particulièrement net et particulièrement implicite. particulièrement implicite parce que Iqbal ne fait, si ma mémoire est bonne, elle est encore un peu concernant Iqbal, il ne fait pas explicitement référence à des maîtres hindous du passé ou contemporains. Et elle est en même temps très claire. Comment ne pas penser, d'ailleurs j'ai fait le parallèle dans le livre, comment ne pas penser à une époque, à une pensée pardon, hindoue qui se déploie à peu près à la même époque, à savoir la pensée de Sri Aurobindo. Il y a vraiment entre Mohamed Iqbal et Sri Aurobindo une concordance des temps qui est absolument spectaculaire et très très savoureuse. Là, c'est vraiment le cas de le dire, les très grands esprits se rencontrent, notamment sur un point. Ils ont une intuition commune. Cette intuition commune, dont j'ai déjà dit un mot, c'est l'intuition que l'être humain n'a pas achevé son évolution. Son évolution, je ne parle pas évidemment d'évolution sur le plan biologique, mais son évolution culturelle et son évolution spirituelle, son évolution de conscience. Ce qui est tout à fait intéressant de ce point de vue-là... Aurobindo annonçait presque un surhomme, un nouvel homme... Exactement. Alors Iqbal a des expressions... Bon, l'expression surhomme est très, très suspecte, mais Iqbal a des expressions très caractéristiques. Il parle d'ego ultime, un ego ultime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors un ego ultime, ce serait, comme je le disais tout à l'heure, un ego suprêmement créateur. C'est-à-dire un être humain qui aurait déclenché en lui une activité créatrice inlassable. Mais créatrice, dans quel sens ? Dans le sens, parce qu'on entend créateur aujourd'hui dans le sens d'une activité type artistique. Mais là, j'imagine que c'est une activité créatrice qui est peut-être de l'ordre de l'intériorité, c'est-à-dire d'une continuation d'une vie spirituelle qui va être encore plus juste, encore plus vraie. Oui, alors c'est justement pour nous l'occasion, je le fais dans le livre, ça m'a tout à fait passionné, c'est l'occasion pour nous de réfléchir peut-être un peu plus profondément que d'habitude à ce que signifie être créateur. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'être créateur ? Je trouve que cette parce question que est absolument Nietzsche en parle aussi dans un certain sens, donc quel est le sens d'Iqbal ? Je dis de façon très générale, ou essayer et arriver à ouvrir sans cesse la voie à de nouvelles formes de vie. C'est assez bergsonien, ça. Oui, un exemple, tout de suite, on est en train de penser ensemble, on est en train de dialoguer ensemble, on est créateur. On est créateur parce qu'on ouvre la voie à l'expression d'une forme de vie. Cette forme de vie, c'est la vie de la pensée, la vie du partage, la vie de l'échange. Ce faisant, on est créateur. Et si on y réfléchit, il me semble que dans l'existence quotidienne, dans ce que les uns et les autres ont appelé la vie ordinaire, dans le cours de la vie ordinaire, l'occasion ne nous est pas donnée si souvent d'être créateur. C'est-à-dire de pouvoir donner à telle ou telle forme de vie l'occasion d'une nouvelle expression. Lorsque j'écoute quelqu'un, je suis créateur, parce que je lui donne l'opportunité d'exprimer quelque chose que jusque-là il portait en lui et qu'il n'avait pas l'occasion de manifester à l'extérieur. Lorsque moi-même je cherche mes mots, lorsque j'essaie d'élaborer une pensée, lorsque j'essaie de maîtriser un peu mieux ou de conduire un peu mieux mon existence, j'essaie d'être créateur. C'est-à-dire que, et là on peut donner donc une autre définition du fait d'être créateur, avoir davantage, ce serait le fait d'avoir davantage d'autonomie dans la conduite de son existence. Être créateur, c'est ne pas subir, ne pas être passif. Et ne pas être juste répétiteur de formes anciennes dans tous les niveaux. De formes anciennes ou de formes établies. De formes établies par, simplement par la société. Mais là, en vous écoutant, je me dis qu'il y a vraiment une convergence très très forte avec Bergson. Et vous nous disiez tout à l'heure, je pense à l'évolution créatrice, vous nous disiez tout à l'heure qu'il avait peut-être rencontré Bergson. Est-ce que cette idée-là, il l'a prise de Bergson ou il l'avait déjà et c'est finalement une sorte de convergence ? Il me semble qu'il l'avait déjà à cause ou grâce à sa lecture du soufisme. C'est-à-dire qu'il avait une réflexion déjà sur la tradition soufie qu'il a dirigée dans cette direction. Et je crois que ça a été un sujet d'étonnement pour lui, d'étonnement très très fort et très fécond pour nous aujourd'hui, de se rendre compte que des philosophes modernes, de l'Occident moderne, qui a priori ne partageaient rien sur le plan culturel avec lui, pouvaient avoir le même type d'intuition. Et je crois que chez lui, ça a donné quelque chose de très intéressant et de très caractéristique et qui le singularise parmi les penseurs musulmans de la modernité. C'est que, très rapidement, il se dit, il y a quelque chose à faire avec
cette modernité occidentale. C'est-à-dire qu'il ne s'installe pas dans une posture défensive. J'ai souvent appelé ça comme ça, dans une posture défensive où on rappelle un certain nombre de choses et où on refuse cette modernité au motif qu'elle serait anti-spirituelle, matérialiste, y compris etc. dans le monde chrétien d'ailleurs, parce que le catholicisme a été dans cette posture défensive jusqu'à Vatican II. Donc on voit toutes les religions se sont senties agressées par la modernité. Tout à fait. Alors par exemple, Iqbal est très heureux à chaque fois que sous la plume d'un philosophe occidental, il trouve un développement sur l'individu. C'est-à-dire qu'il se dit lui-même, et il dit ensuite quand il l'écrit, qu'en valorisant l'individu, en mettant l'individu au centre des valeurs, l'individu, ou pour le dire de façon peut-être un petit peu plus noble, la personne humaine au centre des valeurs, l'Occident moderne a trouvé ce qui doit être selon lui le véritable fondement de la civilisation, d'une civilisation humaine. Que l'individu s'émancipe du groupe. Voilà. Pour être au centre de l'échiquier. Voilà, simplement, alors il va s'engager dans un dialogue avec l'Occident qui est très intéressant parce qu'il va dire non seulement oui à l'Occident, mais non en même temps, je m'explique. Il lui dit oui au sens où il dit l'Occident a eu raison de valoriser les droits de l'individu, les droits de la personne humaine. Donc là, il est très laudatif vis-à-vis de tout un ensemble d'évolutions qui pour nous sont caractéristiques des Lumières et à partir d'elles de tout un ensemble de progrès sociopolitiques. Simplement, il dit l'Occident aurait dû aller plus loin dans sa conception de l'individualité, de ce que peut l'individualité. L'Occident, cet Occident moderne qui en même temps a mis le doigt très justement sur la valeur de l'individu, ne l'a peut-être pas malgré tout estimé à sa juste mesure, parce que l'individu a non seulement des droits mais des capacités. Et des capacités supérieures dont la plus spectaculaire et la plus profonde est selon lui cette capacité créatrice que jusque-là on avait prêtée à Dieu de façon symbolique. Mais il y a cette idée chez Iqbal qu'à un moment ou à un autre, l'être humain doit faire la rencontre et l'expérience pour lui-même de cette capacité créatrice. چلو دیارِ نبی کی جانب چلو دیارِ Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie d'Abdinour Bidar. Nous parlons d'Iqbal et du soufisme indo-pakistanais. Alors, à l'occasion de votre excellent livre « L'islam face à la mort de Dieu », actualité de Mohamed Iqbal aux éditions François Bourin, vous nous expliquiez que voilà, il y avait un dialogue passionnant entre islam et occident à travers l'œuvre d'Iqbal qui effectivement soulignait l'importance de ce que l'Occident avait produit avec cette émancipation du sujet, cet avènement de l'individu, mais qui trouvait en même temps que l'individu n'avait pas été considéré comme, dans toute sa profondeur, on pourrait dire, ontologique, c'est-à-dire qu'un être qui doit être créateur et que finalement on a une vision un peu matérialiste de l'individu, ce qui est parce que l'Occident a philosophiquement à la fois permis cette émancipation du sujet et ses droits de l'homme et en même temps, à partir du XVIIIe siècle, rentrait dans une logique assez matérialiste du monde qui a entraîné une limitation sans doute du concept d'individu, alors qu'évidemment il y a chez Iqbal, j'imagine, une autre
conception de l'individu. Et dites-nous un mot plus profondément de ce qui peut être pour lui justement un individu spirituel, un individu qui à la fois a cette liberté créatrice et qui peut en même temps rester dans sa dimension de liberté. Alors, comment être à la fois un être spirituel enraciné dans une tradition et en même temps un individu libre et créateur. Vous avez parlé de sa critique, avec raison, de sa critique de la conception, de ce qu'il considère être, on peut en discuter, la conception de l'Occident, que l'Occident moderne se fait de l'individu, de l'individualité. Elle est, selon lui, effectivement matérialiste, ou elle est, je dirais, tout bonnement ou tout simplement hédoniste. Hein. On considère que être valorisé en tant qu'individu, avoir des droits en tant qu'individu, c'est avoir droit au bonheur et à avoir droit à jouir d'une existence décente, etc. etc. Bon. Il la juge également, cette conception, beaucoup trop désabusée. Je m'explique. Il dialogue énormément avec Nietzsche. Iqbal dialogue énormément avec Nietzsche, et lorsque il entend Nietzsche parler de la mort de Dieu du côté de l'Occident, il constate qu'en même temps, du côté occidental, cette mort de Dieu semble correspondre à une mort de l'homme. C'est-à-dire que une fois que l'hypothèse de Dieu, que l'hypothèse du divin, que l'hypothèse de la transcendance est éliminée, il a le sentiment que l'homme occidental fait une certaine expérience de soi et que cette expérience de soi est caractérisée par une pauvre et simple confrontation avec sa finitude. Dieu étant mort, il n'y a plus pour nous d'horizon possible de transcendentalisation de notre existence, de dépassement de notre condition finie, etc. C'est pour ça qu'il trouve que cet individu occidental est désabusé, cette expérience de soi est une expérience désabusée ou désenchantée, comme on l'a dit. Or, l'hypothèse d'Iqbal, c'est presque envie de dire la découverte d'Iqbal, c'est que la mort de Dieu, au contraire, aurait dû être interprétée par l'Occident comme une libération, la possibilité d'une libération en l'homme d'un certain nombre de capacités supérieures qui jusque-là étaient le privilège exclusif de Dieu. Et nous revenons, sa pensée est cohérente, justement sur cette puissance créatrice de l'homme dont, pour Iqbal, il est temps d'une certaine façon de s'approprier. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus la propriété de ce Dieu qui vient de mourir et qui, en mourant peut-être, nous aurait laissé quelque chose, c'est-à-dire, plus précisément, nous aurait laissé être à notre tour ce qu'il a su si bien être, c'est-à-dire un être dont toute l'activité est une activité d'amour, comme le disait Mystique, c'est-à-dire, parce que les deux sont aussi synonymes, une activité inlassablement créatrice, c'est-à-dire donatrice de nouvelles formes de vie. Lélie Anvar. Oui, alors justement, Iqbal a composé un poème, en fait un long poème en persan, qui s'intitule « Le livre de l'éternité », qui a d'ailleurs été traduit par Eva de Vitré-Meirovitch en français, donc le texte est disponible. Et dans ce texte, justement, il évoque certains sages, philosophes, prophètes du passé. D'ailleurs, à la fin du texte, une figure divine lui dit « Abandonne l'Orient et ne te laisse pas ensorceler par l'Occident ». Et en même temps, pendant tout le texte, Iqbal va raconter l'histoire d'une initiation à travers laquelle il va justement rencontrer un certain nombre de personnages, traverser un certain nombre d'étapes pour finir par arriver à la vision de la beauté éternelle. Et donc la structure de ce livre de l'éternité ressemble de manière parfaitement assumée à celle de la Divine Comédie, puisqu'il va traverser aussi, il va voir les âmes des damnés, enfin de ceux qui se sont mal conduits pour diverses raisons. Et son guide dans ce voyage, c'est le fameux poète Rumi, précisément, qui est le poète de l'amour, s'il en est, et qu'il considérait effectivement comme son maître à la fois en poésie et en matière spirituelle. Donc Rumi va l'emmener, il va visiter un certain nombre de cieux variés, de personnages, et il va donc s'initier aux réalités supérieures. En tout cas, dans ce livre de l'éternité, à un moment, il y a une rencontre justement avec Nietzsche qui m'a beaucoup frappée, parce qu'elle est à la fois très profonde, elle résume ce que vous venez de dire, évidemment, sous forme poétique, et en même temps, elle a cette note d'humour si propre à la tradition de la poésie soufie. Et donc, voilà, voici ce passage dans lequel Rumi va parler à Iqbal de Nietzsche. Je dis à Rumi, qui est ce fou ? Il répondit, c'est un sage allemand. Il se tient entre deux mondes, le chant de sa flûte est un chant antique.
ce halaj sans cordes et sans gibet redisait de nouveau et différemment des paroles anciennes. Ses paroles étaient audacieuses et ses pensées élevées. Les Occidentaux furent coupés en deux par le glaive de ses discours. Il ne trouva aucun compagnon dans ses extases. Il était ivre de Dieu, on le prit pour un fou. Les intellectuels ne connaissaient rien à l'amour et à l'ivresse, ils le remirent aux mains des médecins. Chez ces derniers, il n'y a que fraude et hypocrisie. Malheur à l'homme ivre de Dieu qui naît en Europe. Nietzsche fut un halaj étranger à sa propre patrie. Il échappa au mollah, mais les médecins le tuèrent. Il n'y avait pas en Europe d'homme connaissant la voix mystique. Or, sa mélodie était trop puissante pour les cordes de son luth. Personne n'indiqua le chemin à ce voyageur, et 100 accidents lui arrivèrent en cours de route. Il était une monnaie, et personne n'en fit l'essai. Il était un théoricien de l'action, et personne n'en fit un homme d'action. Un amant qui se perd dans ses propres soupirs, un voyageur qui s'égare sur son propre chemin. Son ivresse brisa tous les flacons, il s'arracha de Dieu, et à la fin de lui-même. Il voulait percevoir avec son œil extérieur l'union de la beauté et de la puissance. Il voulait que jaillît de l'eau et de la terre ce fruit qui ne peut être produit que par le cœur seul. Ce qu'il cherchait, c'est le degré de la majesté divine. Et ce niveau est au-delà de la raison et de la sagesse. Lino Bidart, c'est vraiment un magnifique hommage rendu à Nietzsche, qui est, qu'on perçoit en Occident finalement comme le fossoyeur de Dieu, mais qui en même temps est un être mystique, un être qui cherche, un être qui démolit finalement plutôt les idoles pour chercher une vérité plus profonde. Ah, Nietzsche est probablement un mystique qui s'ignore comme tel, effectivement, ça, Ibal l'a très bien perçu. D'ailleurs, Nietzsche lui-même le dit, il n'en est pas tout à fait inconscient, il dit finalement je suis encore peut-être qu'une forme nouvelle de prêtre. Bon. Et de dire que c'est un halaj, c'est dire à quel point il a été radical et tout important. Tout à fait. Alors, Iqbal, dans ses passages du livre de l'éternité, a un jugement sur Nietzsche qui est tout à fait contradictoire. Il dit « c'est un fou, c'est un sage », ça, c'est dans le passage que vous venez de lire. Moi, j'ai choisi de le dire un petit peu différemment pour expliciter un peu le jugement qu'Iqbal portait sur lui. Je dis que pour Iqbal, Nietzsche était un prophète aveugle. Ce qui est une contradiction dans les termes. Un prophète, mais aveugle, pourquoi ? Parce que si, selon Iqbal, il a eu raison de dire que pour l'humanité, un nouveau temps commençait, un nouveau temps d'évolution commençait, qui pouvait être caractérisé par, ou emblématisé par la mort de Dieu, eh bien, et ça c'est le côté donc prophétique, le caractère prophétique de Nietzsche, en revanche, Nietzsche s'est trompé pour dire en même temps, au moment où il a dit en même temps, que ça signifiait pour l'homme la réduction définitive à la finitude de sa condition. Il est là le point de séparation entre Iqbal et Nietzsche. C'est-à-dire que pour Iqbal, au contraire, comme je le disais déjà un peu précédemment, pour Iqbal, Dieu qui meurt, c'est Dieu qui transmet quelque chose à l'homme. Et Iqbal n'aura de cesse dans son œuvre de mettre en scène, justement, de façon extrêmement poétique et directe, ces dialogues entre Dieu et l'homme. Ça, c'est vraiment tout à fait une particularité de l'œuvre d'Iqbal. Dieu parle à l'homme, il lui dit par exemple cette chose-là, toujours dans le livre de l'éternité, je vous lis deux, trois lignes. Dieu dit à l'homme, es-tu vivant ? Alors si tu es vivant, sois enthousiaste, sois créateur, sois le conquérant de l'univers entier, comme moi. Hein, donc il y a vraiment là l'expression de cette transmission. L'œuvre créatrice de Dieu. Exactement, l'homme poursuit et parachève. Hein, la notion de parachèvement ici me paraît très importante, je la mobilise d'ailleurs. L'homme est appelé à faire quelque chose d'autre que ce qu'il a toujours fait dans l'être. Ça c'est quelque chose de très important. Et il y voit, et c'est ça qui me semble très fécond chez Iqbal, pour lui c'est ça la modernité. C'est ça qui est inauguré par la modernité. Peut-être que d'une certaine façon, depuis que cette modernité a fait son apparition comme une nouvelle aube, c'est-à-dire depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, on ne l'a pas encore interprété comme ça, mais Iqbal propose quelque chose qui nous donne une idée de la sortie de la religion, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, qui est différente. C'est-à-dire non pas le temps d'un désenchantement, non pas le temps où de grandes espérances millénaires ou plurimillénaires sont achevées, mais le temps où elles vont se transposer et apparaître sous des formes nouvelles. Et il continue en disant, c'est toujours Dieu qui s'adresse à l'homme, « Réduis en miettes ce qui n'est pas digne de toi, façonne un monde nouveau issu des profondeurs de ton être. Il est irritant pour un homme libre de vivre dans un monde fait par d'autres. » Voilà. Donc c'est vraiment cette injonction divine qui n'est plus l'injonction
traditionnelle, l'injonction à servir, l'injonction à obéir, l'injonction à se taire face à ce qui le dépasse, hein, face à une sagesse ou à des commandements qui le dépassent, c'est une injonction à la responsabilité de l'être entier. Alors là, je suis à nouveau frappé du contraste entre ce message-là et ce qu'est l'islam aujourd'hui, hein, qui est un islam frileux, un islam qui a peur, un islam qui rappelle les fondamentaux, entre guillemets, de soumission à Dieu qui nous dépasse, etc. Donc, comment se fait-il que ce personnage aujourd'hui était complètement étouffé finalement, parce qu'on n'en parle pas dans le monde musulman, ou en tout cas il n'a pas d'influence. Est-ce que les Pakistanais aujourd'hui lisent encore Iqbal et écoutent cette parole? Oui, alors un philosophe de cette envergure commence toujours par être soit ignoré, soit excommunié. Hein, on se souvient que c'était le sort malheureusement de Spinoza. Je crois que ce qu'il annonce, et qui n'est rien de moins, ce qu'il annonce ou ce qu'il... inutile d'employer un ton ou des termes prophétiques, mais ce qu'il... entrevoit comme avenir possible pour l'humanité, est quelque chose qui renvoie à une telle mutation ontologique que, inévitablement, si sa réalisation, c'est-à-dire si la réalisation de cette mutation doit avoir lieu, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. Je ne pense pas qu'une pensée comme celle de Iqbal puisse immédiatement porter ses fruits. En l'occurrence, effectivement, pour l'islam tel qu'il essaie encore de se perpétuer, il y a là quelque chose qui est déjà, je l'ai dit comme ça dans un autre livre, qui est de l'ordre d'un scandale théologique. De l'ordre d'un scandale théologique, c'est-à-dire il s'agit de donner à l'homme ce qui, jusqu'à présent, n'a pu être donné qu'à Dieu. Hein. Bon. Dans ces conditions, il me semble que la patience, simplement, est de mise. La patience et la confiance dans ce qui se fait, dans ce qui se réalise. C'est-à-dire que, et ça j'ai essayé d'en donner un certain nombre de témoignages dans mes autres livres, aujourd'hui, la conscience musulmane est une conscience extrêmement travaillée. Extrêmement travaillée, dans une certaine mesure consciemment, dans une certaine mesure inconsciemment. Elle est travaillée par, d'une part, son souci d'une fidélité à un certain nombre de représentations, de formulations traditionnelles auxquelles elle tient, mais dont elle sent de plus en plus qu'elles sont dérangées, qu'elles sont déstabilisées par quelque chose d'autre, dont Iqbal, sur quoi Iqbal anticipe manifestement. Hein. Il est d'une certaine façon comme tous les visionnaires, comme tous les éclaireurs, il est en avance. Hein. Il est en avance et il donne des formulations à quelque chose qui, dans la conscience collective, si cela doit apparaître, n'apparaîtra qu'avec retard. Terminons cette émission consacrée à Mohamed Iqbal avec Abdennour Binar par l'agenda culturel. Alors, Lélie Anvar.
D'abord, je voudrais signaler que vous organisez, Abdennour Bidar, dans le cadre des Journées mondiales de la philosophie de l'UNESCO, le 17 novembre à Paris, une journée qui sera consacrée à la figure de l'islamologue Mohamed Harkoun, qui est récemment disparu, si vous voulez nous en dire un mot. Oui, Mohamed Harkoun, qui est, hélas nous a quittés il y a à peu près un an. Qui est une très très grande figure de la pensée des évolutions de l'islam aujourd'hui. C'est une œuvre immense qui a été commencée dans les années 60, qui a donné lieu à tout un ensemble de débats, de discussions, et je vous invite à venir justement le 17 novembre participer à cette table ronde au cours de laquelle sera justement débattu et discuté un certain nombre d'aspects majeurs de l'œuvre de Mohamed Harkoun. Qui est l'un des grands penseurs de la modernité en islam, effectivement. Oui, tout à fait. Une pensée foisonnante, extrêmement riche. Ça, ce sera très intéressant. Donc, c'est le 17 novembre à Paris. À quel endroit ? Alors, c'est à l'UNESCO, au siège de l'UNESCO. C'est avenue Suffren. Dans le 7e, oui. Voilà. Et puis, je voulais aussi signaler le week-end du 8 et 9 octobre. Il y aura un week-end Pakistan au Théâtre de la Ville. Avec le premier soir, le samedi soir, un concert de musique du Baloutchistan. Et le dimanche soir, enfin le dimanche après-midi à 17h30, un concert de musique soufie. Donc la relève des jeunes générations de musiciens pakistanais. Et il y aura aussi des ateliers pour les enfants et deux après-midi de lecture de poésie et de contes. Vous y serez, Lélie ? Oui, les deux jours. Donc le premier jour, le samedi 8 octobre à 15h, je lirai des contes et légendes des peuples nomades du Pakistan. Et le dimanche, toujours à 15h, je ferai une lecture des poètes soufis du Pakistan. Vous souhaitiez parler également de deux autres ouvrages. Denis Matringe, un islam non arabe, horizon indien et pakistanais, aux éditions Taredre. Teraedre. Oui, c'est dur à dire. Oui, Teraedre. En fait, on n'a pas à disposition, en langue française, de beaucoup d'études sur cet islam de l'extrême-orient, hein, c'est-à-dire sur l'islam indien, sur l'islam pakistanais. Et nous avons la chance en France d'avoir deux chercheurs de très haut niveau qui ont écrit sur cette question. Il y a Denis Matringe, que vous venez de citer, et Marc Gaborio, qui a publié il y a quelques années un ouvrage intitulé « Un autre islam », dans lequel il est question, entre autres, de ces soufis qui, comme Mohamed Iqbal, ont travaillé à l'est du monde arabe auquel on réduit, je parle du monde arabe, ce monde arabe auquel on réduit trop souvent l'ère de civilisation islamique. Et ben voilà, donc avec cette émission, on aura compris qu'il y a tout un courant philosophique et mystique aussi dans le monde indien et pakistanais. Merci beaucoup, Abdennour Bidar, de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, je recevrai Bernard Béret, qui nous parlera de son parcours d'un monastère cistercien en Bretagne à un refuge taoïste en Chine. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. À dimanche prochain, très belle journée à tous.